Depuis plusieurs années, les scientifiques sont formels. La planète se réchauffe et c'est la conséquence des activités de l'homme. Plus rares, certains s'opposent toutefois à cette thèse. Parmi eux, Claude Allègre. Il fait partie des climato-sceptiques. Dans son livre, L'imposture climatique, il révèle que le réchauffement climatique n'est pas forcément dû à l'homme, mais simplement à une évolution du fonctionnement de la Terre. Néanmoins, il faut prendre des mesures pour s'y adapter. Une théorie qui fait polémique. Hier, Claude Allègre a défendu ses hypothèses à l'ACATO, en conférence à Lille. Je pense qu'il y a un dérèglement climatique et qu'il faut s'adapter. L'hiver a été froid et si je crois les astronomes, l'hiver prochain sera encore plus froid. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une canicule cet été. Du temps de Louis XIV, quand il était dans un petit âge glaciaire, il y a eu 2 étés qui ont fait 240 000 morts en France. Vous n'avez qu'à le voir dans le livre de Laurent Laburie. Donc, il y a un dérèglement climatique comme il y en a toujours eu. Et la réponse, c'est l'homme doit s'adapter.